Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Alors, merci déjà aux organisateurs pour leur invitation qui me permet d'aborder donc avec vous l'épineuse question de l'évaluation. J'ai décidé de vous présenter quatre grands types d'évaluation, à savoir une évaluation diagnostique et quelque part purement diagnostique, donc avec une visée diagnostique, une visée plus prospective, donc qui porte sur qui a une fonction de prévention et donc qui est menée avant apprentissage. L'objectif de ce type d'évaluation, c'est en pratique d'effectuer un examen approfondi des difficultés et des troubles d'apprentissage en vue de justement proposer une remédiation spécifique. Et donc ça passe notamment par la création d'outils d'évaluation spécifiques. Cette évaluation peut être menée en classe, mais aussi en dehors de la classe par exemple, des logopèdes. Alors, à côté de cette évaluation diagnostique, on retrouve l'évaluation formative qui peut avoir une visée diagnostique. Alors, comme vous le voyez présenté dans le tableau, donc cette évaluation formative à visée diagnostique a aussi une fonction préventive intégrative. Elle se déroule avant l'apprentissage en tant que tel, puisqu'elle permet l'intégration donc des élèves dans une nouvelle séquence d'apprentissage. L'objectif, c'est de déceler les difficultés persistantes chez les élèves, donc déceler les causes, mais aussi et surtout de mettre en évidence les forces et faiblesses des élèves afin qu'on puisse directement apporter une aide à chacun des élèves pour déterminer le point d'entrée dans la matière, dans l'apprentissage, ou alors de déterminer le mode d'enseignement le plus adapté pour tel ou tel élève. Alors, en pratique, on apprécie les préacquis de nos élèves dans un domaine particulier, celui qui est à étudier, maths, français, etc., etc. On donne des rétroactions, des feedbacks. Donc, en fait, pour le dire plus simplement, un moyen par lequel l'enseignant informe chaque élève sur son apprentissage et plus particulièrement donc sur le lien entre l'état actuel de son parcours et les objectifs tels qu'attendus. Et donc, là, l'objectif, c'est de fournir des rétroactions relativement immédiates, si on veut qu'elles soient vraiment efficaces, dès qu'une difficulté se présente chez l'élève. Alors, très concrètement, on parlera aussi d'annotation, j'y reviendrai juste après. Au niveau de l'évaluation formative, elle peut avoir une deuxième visée, une visée plutôt régulatrice. Ça veut dire que vraiment, là, on est pendant l'apprentissage et on va essayer de déceler les difficultés que rencontre l'élève afin d'y remédier le plus rapidement possible. Ce qui différencie vraiment l'évaluation formative à visée diagnostique ou l'évaluation formative à visée régulatrice, c'est le fait que d'un côté, visée diagnostique, on fait un état des lieux de ce qui se passe, on est avant l'apprentissage, et en visée régulatrice, on essaie en fait de percevoir la progression. Donc cette idée de progression est vraiment importante. Cette évaluation doit être continue, ça veut dire qu'elle n'a pas lieu à un seul moment, elle a lieu à plusieurs moments au cours de l'apprentissage, qui permet donc de voir cette progression. Et aussi, on attribue évidemment des rétroactions aux élèves, si possible immédiatement. On sait que ce n'est pas toujours le cas et c'est parfois bien difficile d'y arriver. Alors, dans ce cas-ci, on parlera d'annotation également, ce qui est assez différent des évaluations sommatives ou certificatives. La évaluation sommative certificative, c'est une visée donc certificative. Il y a une visée rétrospective. On regarde dans le rétroviseur pour voir le parcours qui a été effectué. Alors, dans ce cas-là, on parle de cotation, puisqu'on attribue des notes, mais sous la forme de cotes, donc, pour vraiment différencier les deux types d'évaluation, donc formative et sommative certificative. Alors, la sommative a lieu pendant l'apprentissage. L'objectif, c'est vraiment d'effectuer le bilan des acquis scolaires en vue notamment de remplir ce fameux bulletin périodique. Et à côté de ça, on a l'évaluation certificative qui permet de certifier la maîtrise de compétences. Alors, oui, elles apparaissent aussi dans le bulletin, ces cotes-là, mais elles sont
elles font plus office de sanctions que de considération de la progression au fur et à mesure de l'année. Donc voilà, ce qui nous permettra, à mon avis, d'échanger à propos de ces types d'évaluation dans un langage commun. Vous dire aussi que vous remarquerez qu'il y a une scission entre évaluation diagnostique et évaluation formative. Cette scission, elle est en pointilleux parce que cette scission est assez poreuse entre ces deux types d'évaluation. Donc, elles ont en commun un certain nombre de caractéristiques, mais elles sont quand même différentes également. Et je voulais revenir sur le rôle complémentaire de ces évaluations. Véritablement, par exemple, l'évaluation sommative est donc l'aboutissement d'une succession d'interventions, d'évaluations à fonction formative.